Salut les amis, j'ai fait double, triple générique ce soir en l'honneur de notre invité. On s'est un peu emmêlé les pédales à la régie, à Cognac G, mais c'est pas grave, on commence. J'ai énormément de plaisir en direct de vous accueillir et de recevoir Hélène. Salut Hélène. Hello, salut. Hélène Tisman, salut, bienvenue sur Olam. Depuis le temps, ça fait plusieurs vies qu'on se court après pour faire un live. C'est ça. Et ça se passe, voilà, le 25 novembre, c'est 25 novembre aujourd'hui, 2023, 22. Oh, je suis décalé. Je suis très heureux que tu sois parmi nous sur Olam. Comment vas-tu, Hélène ? Merci beaucoup, mais moi aussi, je suis tellement heureuse. Merci beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une joie de voir passer, d'avoir vu passer tellement cette grande famille d'âmes, justement, tous ces gens que ça fait tellement du bien de se sentir connecté, relié. Alors, c'est drôle d'être là avec toi ce soir et sur cette chaîne au nom tellement évocateur de Olam. Tout à fait, tout à fait. Et Olam, c'est quelque chose qui signifie l'univers. Oui. L'univers dans son sens le plus large, au-delà même de la conscience, s'il y a un au-delà de la conscience. C'est un mot qui te parle, cette idée de conscience absolue. Bah, ce qui est très drôle, c'est juste, je viens de voir le générique. Tu sais, moi, à chaque seconde, il y a plein de connexions d'idées. Mais simplement, je vois le générique et je me dis, tiens, c'est drôle d'avoir collé, bah oui, au l'âme, et ça parlait de l'éveil de l'âme, ou de la, je ne sais plus c'était quoi le mot. Alors non, en fait, c'est qu'au moment où on a choisi le mot Olam, qui moi me tient à cœur, parce que pour rappel, Olam, ça vient de la Kabbale, c'est le Olam Tikkun, la réparation du monde, en toute humilité. Et en même temps, on se disait, mais Olam, est-ce que c'est un mot qui va passer bien, etc. Et donc, on a réussi à faire un jeu de mots qui est « Observer l'âme du monde ». D'accord. C'était le slogan original de Olam, voilà. Bah, justement, ça m'a parlé parce que je me suis dit, donc on avait juste conversé rapidement, je t'avais demandé, tiens, c'est quoi Olam ? Et tu m'avais dit, voilà, en hébreu, c'est l'univers. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais c'est tellement génial ce qui se cache derrière les mots et les sons des mots, parce que bien sûr, quand on entend Olam, qu'est-ce qu'on entend ? On entend âme. Et si tout l'univers était contenu dans l'âme ? Voilà. Alors, écoute, tu attaques un peu fort pour moi, là. Donc, on va y aller progressivement, d'accord. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton histoire, de ton parcours. Alors, je m'excuse, j'ai des petits problèmes de gorge, donc j'ai un peu de mal à parler, donc ça m'obligera à me taire et à t'écouter davantage. Donc, ce n'est pas forcément un handicap ce soir. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours, pianiste, concertiste, tu accompagnes les artistes, tu crées, tu performes. Et puis après, tu as accompagné des thérapeutes, des coachs, tu animes des ateliers, tu as créé aussi l'hypnose du musicien, tu as un parcours spirituel, tu as touché aussi au chamanisme. Bref, tu mêles un peu toutes sortes de cordes, j'ai envie de dire, et de talents. Voilà, ça commence quand, Hélène, comment elle arrive dans tout ça à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est quoi l'histoire ? Voilà, on commence à partir de quand ? On commence à partir de l'âme, de la naissance. C'est vaste. Mais c'est drôle parce que tu parles de plein de cordes, justement. Et on pourrait se dire, tiens, toutes ces cordes-là qui appartiennent à un seul instrument, chaque corde correspondrait elle-même à un instrument, que je sois pianiste ou que je sois hypno. Je vais revenir un peu à la chronologie, peut-être. Mais au fond, c'est là où on se dit, mais qu'on soit thérapeute, médecin, scientifique... musicien, conférencier, journaliste, tout ça, ça reste vraiment un instrument. Le piano est un instrument et la musique elle-même est un instrument. Alors, un instrument pour faire vibrer quoi ? Bah, j'en venais particulièrement ces jours-ci à réaliser, bah, à faire vibrer ce qui m'excite le plus, si je puis dire, ce qui me fait le plus vibrer, bah, c'est cette vibration de l'âme. En fait, c'est revenir tout le temps, le plus à l'origine de l'origine, cette vibration. Cette chose-là tellement inexplicable que bah, c'est quasiment impossible de la voir, quasiment impossible de... C'est tellement là tout le temps. Et donc, je me disais quand même, tiens, bah, si jamais ils me demandent de me présenter, qu'est-ce que je vais dire ? Parce que c'est...
Et du coup, au plus loin que je pouvais remonter, je me suis dit, bah, depuis toute petite, c'est sûr que c'était cette envie d'être au plus proche de cette vibration, sans savoir consciemment vraiment toute petite pourquoi ou comment, mais c'était l'idée de la vibration qui m'émerveillait et qui continue de m'émerveiller, que ce soit à travers la musique, la rencontre avec les gens. Tout simplement parce que on peut l'appeler toute la beauté du monde, on peut l'appeler l'endroit où on est le plus vivant, on peut l'appeler la conscience, je ne sais pas, peu importe. Mais si je devais le définir avec mes mots, à moi, ce serait ça. Et du coup, ça a pris la forme, comme tu le dis. Bah, tu me disais à 3 à 4 ans, oui, il se trouve que je suis née dans une maison où il y avait déjà plein de pianos, où la musique était, on peut dire, une religion en soi. Et je me dis que souvent les artistes ont cette religion à eux. Je pense souvent à un danseur de tango, Pablo Verón, l'un des plus grands danseurs de tango, assez exceptionnel, à qui à un moment donné, dans un film, on lui demande mais est-ce que tu crois en Dieu ou je sais pas quoi, c'est quoi ta religion? Parce qu'il est de religion juive, etc. Mais on disait, c'est quoi ta religion? Il disait, ma religion, c'est la danse, c'est le tango, c'est la danse. Et les artistes ont peut-être ce privilège d'avoir cette religion-là, si je puis dire, une porte en fait tellement directe aussi. Directe à quoi? Ils empruntent pas toujours, c'est pas toujours une ouverture à cette conscience-là, mais c'est quand même une ouverture, une sacrée ouverture. Et du coup, j'ai eu la chance d'arriver dans une maison où il y avait plein de pianos, mon père étant passionné de piano, mais de musique aussi, sans être professionnel du tout. Ma sœur est pianiste aussi, on a à peu près tous fait du piano dans la famille. Et donc, à 4 ans, naturellement, bah, je me suis mise au piano, mais tellement naturellement que c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était plus exceptionnel. C'était pas seulement le fait de s'y mettre, c'était aussi de savoir d'emblée que c'était quelque chose de. C'était pas de l'ordre du hobby, ça pouvait pas être de l'ordre du hobby. C'était quelque chose de très important. Et puis, du coup, après, j'ai suivi un parcours très, très, très normal. Voilà. Même si pour des non-musiciens, ça semble peut-être pas normal, mais pour des musiciens, c'est très normal. C'est tout le processus, en fait, comme un danseur, comme, je sais pas, un patineur artistique, comme, oui, depuis l'âge de 4 ans, et puis après de se former, d'aller au conservatoire, et puis de rentrer au conservatoire de Paris, puis après de suivre la route des concours, et d'être très, à ce moment-là, je comprenais pas très bien, mais j'étais très OK dans l'idée un peu de compétitivité, mais dans cette forme que tu as posé ce mot tellement beau tout à l'heure, qui est l'au-delà. J'étais. Ah, j'entendais un écho. L'au-delà, du coup, j'ai réalisé seulement bien après que c'était typiquement ce que les chamans pouvaient rechercher, avec des mots traduits. Hein, ils se trouvaient en rencontrant des chamans qui parlaient de l'au-delà, ou voilà, des choses où. C'est-à-dire l'idée que, OK, a priori, on voit ça, mais on a envie d'aller au-delà. Ou on sait ça, mais on a envie d'aller encore au-delà. Donc j'avais ce moteur-là d'aller au-delà. Mais pour autant, cet au-delà, j'allais tout le temps le chercher dans une sorte de performance ou dans une sorte de quête d'une perfection. Comme si, pour moi, la beauté, ça se devait être dans quelque chose qui devait se sublimer, se faire, etc. Très typique d'une quête d'artiste. Et j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je pensais que j'étais tout le temps en train de m'auto-saboter, etc. Et voilà. Et puis, tout ça s'est poursuivi jusqu'à le dernier gros concours que j'ai fait. Donc, j'étais vraiment partie sur la route des concerts, des tournées, etc. Puis, jusqu'à à peu près 25-30 ans, généralement, on fait des concours internationaux, dont le plus grand concours au monde, qui est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques, qui est le concours Chopin à Varsovie. Et qui me tenait tellement à cœur, d'autant plus que c'est à Varsovie, ayant des origines juives polonaises. Il y avait toute une sorte de, peut-être de réparation, de choses, je ne sais pas. C'était quelque chose qui vibrait en moi depuis longtemps. C'est la ville de Chopin. Chopin, c'est vraiment pour moi celui qui murmure à l'âme des gens. Et je me suis retrouvée là, et donc ça s'est incroyablement passé jusqu'au bout du bout. C'est tout un pèlerinage, ça dure plusieurs semaines, c'est tout un challenge. Et au dernier moment, on va dire, vraiment à la finale de la finale de la finale, j'ai eu cette sensation d'arriver à un point où il n'y avait rien après, vraiment rien. J'avais rien prévu après. C'était comme si c'était la fin du monde, la fin de ma vie. Je me disais, mais après ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rien d'autre. Et il se trouve que lors de cette finale, à un moment donné, j'ai eu comme une sorte de blackout. Ça a duré quelques secondes.
Mais c'était un vrai blackout qui fait que bah, j'aurais pu avoir à ce moment-là le prix et peut-être ma vie aurait été complètement différente, mais ce n'était pas profondément ce que je recherchais. Ce n'était pas de faire, je ne sais pas, 150 concerts par an. Je ne le savais pas consciemment, mais je sentais qu'il y avait un truc qui s'était épuisé, qui était essoufflé et qui voulait profondément autre chose. Donc, ça a été le premier basculement en 2010. Après, quelques années après, il se trouve qu'il y a eu le décès de mon papa que j'ai accompagné et qui m'a révélé ce chemin-là aussi vers l'invisible, vers le subtil, vers ce que j'appelais à ce moment-là un peu la métaphysique. Et j'ai commencé à devenir boulimique de recherche sur c'est quoi, d'où ça vient, c'est quoi. C'était vraiment une boulimie, quelque chose d'obsessionnel. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, sans doute... certains diraient peut-être à ce moment-là, on peut se sentir guidé ou je ne sais pas à quoi. Mais les rencontres se sont faites. Il se trouve qu'avant, j'avais déjà eu quelques attirances, pas faites exprès, mais par rapport à des rencontres qui me parlaient de Carlos Castaneda, donc, qui était un anthropologue qui a beaucoup fait à propos du chamanisme. Donc, je m'étais documentée par ça juste parce que ça m'attirait, sans savoir pourquoi. J'avais eu quelques échos de ce qu'on appelle des guérisseurs. Enfin, bref, de tout ce qui est de l'ordre de la magie. Alors que moi, il faut bien se rappeler que je venais d'une famille, mais alors pas du tout là-dedans. Famille très philosophie. La musique, c'était voilà, la seule chose à peu près irrationnelle, mais conceptualisée dans quelque chose de finalement très rationnel. Et c'était plutôt une pensée voilà, très, très rationnelle. Donc, ça a pris tout un processus. Et puis, jusqu'à voilà, le décès de mon papa et cette ouverture à quelque chose où je sentais profondément qu'il y avait autre chose. Et quelques mois après, il se trouve que j'ai rencontré... je dis quelques mois, oui, presque un ou deux ans après, j'ai rencontré un peu par hasard Arnaud Riou. Là, tu as quand même sauté des étapes parce que entre le moment où tu es à fond dans le process de devenir pianiste, les concours, etc., jusqu'à ce que tu nous décris là, il se passe combien d'années ? Bah, en fait, le concours Chopin était en 2010. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu cette sensation de quelque chose qui était essoufflé et qui avait trop, trop besoin d'aller chercher ailleurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, je commençais à chercher, à me documenter sur, par exemple, les coachs sportifs, à me dire, tiens, il y a peut-être autre chose. Mais je sentais que ce n'était pas ça, ce n'était pas profondément ça. Et entre 2010 et 2014, mon papa est décédé en 2014, j'ai assuré, on va dire, c'était comme si j'assurais les concerts quand même qui étaient là, quelque chose, mais d'une manière où je sentais qu'après, on laisse faire l'évolution, voilà, il y avait heureusement des rencontres incroyables. Il se trouve qu'à ce moment-là, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai rencontré pas mal de comédiens. C'est à ce moment-là où j'ai commencé aussi à faire des choses qui m'ouvraient plus à la littérature. J'ai rencontré Jacques Gamblin, avec Francis Huster, et je sais pas pourquoi, déjà, c'était comme une sorte de porte de sortie, ou pas de sortie, mais enfin juste un autre chemin, quelque chose de plus large, simplement plus large. Ça avait besoin de mourir, ça prend tant que ça prend en fait. Donc c'était pas comme ça du jour au lendemain, c'est tellement énorme en fait. Des fois moi j'essaye d'être de plus en plus humble et douce avec moi-même, moi qui pouvais vouloir aller tellement vite en général, d'être tellement voilà dans cette performance, de trouver vite, d'aller vite à l'essentiel et tout. Ben oui, je me rends compte que non, il y avait tout un cheminement nécessaire, enfin nécessaire, voilà, qui a été, donc c'est nécessaire. Mais il n'y avait pas, il y avait une sorte de manque en fait, ce que tu nous décris, une sorte de nostalgie, une incomplétude de quelque chose, et en même temps, il n'y avait pas un rejet de la musique pour autant. Non, 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 mais le truc, c'est que c'était comme un package, c'était un rejet peut-être d'autre chose, c'était un rejet de pourquoi continuer en fait à chercher. C'était une hyper exigence, j'allais dire une hyper autorité même envers moi-même, mais qui est dans ce milieu-là aussi quelque chose de très jugeant. Au fond c'est incroyable de se dire que c'est à l'endroit où il est question d'art, où il est question de cette subtilité-là, de cette magie, etc., où on peut faire preuve de tellement de jugement. Mais c'est un peu comme si on parlait d'un danseur classique, c'est peut-être plus flagrant, les danseurs classiques on peut imaginer à l'opéra, voilà, il y a cet amour, c'est tellement paradoxal pour la danse. Et puis à un moment donné, on peut aimer, on peut être ok. Franchement, j'ai été ok très longtemps et je m'en suis nourrie même de cette exigence, d'être portée par un truc plus grand. Et à un moment donné, ça disait
Oui, mais j'aimerais connecter ça sans passer par la case dureté, on va dire. Cette forme de dureté-là, de vouloir, oui, de penser que c'est en atteignant quelque chose que j'allais, en fait, c'est le truc tout simple que tout le monde vit, tellement universel. Le jour où, si j'atteins ça, et ce qui est génial, c'est qu'en art, à chaque concert, on se dit, et alors si vraiment je rends cette partition, cette page de cette manière-là, ça va me combler. Je vais être dans la grâce, je vais être dans la gratitude, je vais être dans la reconnaissance, non seulement du public pour moi, mais de moi pour moi et de moi pour ce qui se passe, etc. Et voilà la plus grande illusion, que l'artiste est le premier à plonger dedans. Mais ce qui est génial, c'est que c'est là où l'artiste est un vrai chemineur spirituel, c'est qu'il se rend bien compte qu'à chaque prestation, à chaque concert, bah, ça recommence de zéro en fait. Donc on se dit, ouais, c'est incroyable, d'où la fameuse décompression tellement forte des fois quand on sort de scène. Et on se dit, c'est incroyable. Et puis, and so what? C'est ces fameux moments d'état de grâce ou pas, d'ailleurs, ou alors c'est raté, mais ou alors c'est extraordinaire et c'est, et so what? Et quand on vit ces états de grâce, ces états incroyables et tout, on se dit, mais en fait, voilà, faudra le recommencer à chaque fois, en fait. Et peut-être qu'il y a aussi une fatigue de ça à un moment donné. Quand on vit tellement intensément, enfin, je sais que moi, dans mon caractère, dans ma perception, dans ma sensation, c'est tellement, ça peut être tellement, 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 tellement intense qu'il n'y a pas de fin à ça. C'est-à-dire, si on va vraiment au bout de l'intensité, c'est une super qualité de ressenti, mais ça peut être une perdition aussi. De toute façon, voilà, ça s'essouffle au bout d'un moment. Donc, Ouais, donc sur ce parcours-là, sur ce chemin que tu nous décris, quelles ont été les rencontres? Tu as rencontré des personnes qui t'ont permis un petit peu de trouver, de suivre des voies spécifiques. Tu m'as parlé du chamanisme, il y a eu la rencontre avec Arnaud. y a eu la rencontre avec Arnaud, mais tu sais, même juste avant ça, au final. Toutes les rencontres sont magiques. C'est ça qui est incroyable, c'est que, enfin, en tout cas, j'ai cette croyance-là qu'il n'y a Oui, aucune bien sûr. rencontre vraiment anodine, et dans un sens ou dans un autre. Et finalement, le tout premier guide, si on peut parler de guide, de maître, je ne sais pas, peu importe, ces rencontres-là, bah, ça a été ce fameux mentor en piano, ce fameux prof que j'ai eu il y a pas mal de temps maintenant, un juif russe du nom de Grigory Grootsman, tellement extraordinaire. Qui ne payait pas de mine comme ça, mais l'espèce de érudit qui pouvait lire autant la Bible que la Torah, que Mein Kampf, tout pour juste se renseigner en fait. Il était avide de culture, il parlait sept langues couramment, enfin il parle toujours, il est toujours vivant. Il était, mais dans une espèce de sagesse, mais qui ne se dit pas, voilà, qui ne se dit pas comme ça. Et il y a cette chose-là qui m'avait dit, il m'avait dit, Hélène, je sens que voilà, c'est exceptionnel ce que vous faites, blablabla, et permettez-moi de vous accompagner en concours, parce que je sens, à l'époque, j'étais très fragile, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien, et il m'avait dit, je vais vous accompagner, blablabla, et ça a été le début de toute une évolution, autant pour lui que pour moi, parce que ça lui a fait réaliser plein de choses, et c'est à ce moment-là où j'ai gagné plein de concours, il se trouve, c'est vrai, parce qu'il y avait quelque chose de particulier avec sa présence. Et il me disait cette chose-là extraordinaire, c'est quand même, faut pas aller jusqu'en haut de l'Himalaya pour trouver ça. C'est des messages par rapport qu'on vit dans la musique, avec l'art et tout, mais il me disait, Hélène, par exemple, jouer vite, jouer incroyablement vite telle chose, tellement technique et tout, il y aura toujours des gens qui pourront jouer plus vite. Il y aura toujours des Chinois, des Russes, voilà, qui pourront jouer plus vite. Il dit, mais être capable d'aimer chaque note. Est-ce que vraiment vous êtes capable d'aimer chaque note que vous jouez? Parce que moi, je me disais, ouais, non, mais en concours et tout, on s'en fiche et tout. Et finalement, c'était ces tout petits enseignements mis bout à bout où qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de se dire, est-ce que j'aime chaque chose? Est-ce que je suis en amour de chaque note? Et ça peut s'appliquer à sa propre vie. Est-ce que j'aime chaque chose? Je sais pas, c'était plein de perles de sagesse qui parfois passaient à travers. Un passage technique même où je sais pas la manière dont il me parlait beaucoup de magie déjà à ce moment-là, comment créer de la magie, que c'était pas une question, c'est ça que j'aimais bien avec lui, il me montrait comment c'était pas une question de travail mais une question d'ajuster, de voir différemment, de voilà, et c'était déjà un début à ce qui après m'a semblé évident.
Donc finalement, c'était déjà un premier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand même que tu as trouvé des réponses dans ton art et pas en allant chercher ailleurs ou en arrêtant et en suivant une voie spirituelle comme si telle. Il y a vraiment eu dans des réponses qui sont arrivées à toi par l'intermédiaire de ce professeur dans ta musique, dans ton expression artistique. Oui, c'est tout à fait juste. Après, c'est un truc, un prisme que j'ai observé beaucoup pour accompagner des artistes et en général pour avoir fait tellement cette introspection. La mécanique de l'artiste, et quand je dis l'artiste, je veux surtout pas restreindre à parce qu'on fait un domaine soi-disant artistique. On peut être boulanger et être un artiste, on peut être, peu importe, être un artiste. Mais je dirais que justement, ce que j'ai observé du comportement de la mécanique de l'artiste, c'est quoi ? C'est puiser en soi, au final, pour éprouver le monde. Et c'est-à-dire éprouver sa sensation, éprouver sa... Donc, forcément, en tirer en tirer la connaissance, en tirer les réponses. Mais c'est... Mais finalement, c'est vraiment la mécanique de je ressens. C'est pour ça qu'il y a ce côté, il faut d'abord que je le fasse mien. C'est peut-être ce côté-là qui semblerait narcissique, égo, je ne sais pas quoi, qui, attends, je le fais mien, je le ressens moi, et puis je vois comment ça se digère et qu'est-ce qui émerge. Ensuite, c'est pour ça que plus on fait le tri et plus on commence à y voir clair, plus on a des chances d'avoir des réponses de plus en plus subtiles. Parce qu'au début, bah, ça peut être beaucoup des réponses d'ego, de mental, de conditionnement. C'est-à-dire, c'est quoi des choses qu'on a apprises et que, voilà, on fait un peu tout ça. Mais la mécanique de l'artiste, c'est vraiment commencer par éprouver en soi. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK. Et après, plus j'affine cet instrument, c'est pour ça que je dis tout le temps, le tout premier instrument, c'est soi. Plus j'en accorde le diapason, plus j'ai des chances d'avoir cette connexion. Et en effet, je n'ai pas besoin d'aller voir ni un guide, ni un maître, ni n'importe quel livre, ni quoi que ce soit. Au fond, on est l'art créateur en soi. Et j'ai peut-être eu cette chance, pour le coup, d'avoir quelque chose que j'ai lu ensuite dans un livre de Chaim Potok, l'élu, où à un moment donné, il parle c'est un personnage, un tout jeune, dédié à être rabbin, donc rabbin hassidique. Et qui, du coup, est éduqué par son père de telle sorte qu'il ne peut lui poser aucune question. Parce que s'il lui pose la moindre question, son père sera juste en silence. C'est-à-dire, c'est un espèce de contrat qui a été posé, que son père ne lui répondrait à aucune question. Et que, du coup, c'était pour l'amener à trouver ses réponses en lui. Et il se trouve que, moi, quand j'avais lu ça, ça m'a fait tilt, parce que je me suis dit, ah, mais c'est pour ça. Enfin, c'est pas pour ça, c'était pas conscient. Mais il se trouve que, par rapport à mon père, les questions ne pouvaient pas se poser. On ne posait pas les questions. Il fallait tout le temps aller chercher en soi, en réalité. C'était pas une ambiance où on allait poser des questions et tu crois que, et ceci et cela. Non, c'était vraiment tout le temps intérieurement. Tiens, je me demande. Et peut-être qu'il y avait tout de suite cette mécanique d'aller plutôt puiser à l'intérieur, et on a tous... Enfin, voilà, je trouve que quand on ouvre ça, ça peut être assez incroyable à vivre. Ok. Alors, j'avance un peu sur ton parcours de vie. Et donc, après, tu fais carrière depuis... tu t'es installé, cette remise en question, elle s'est arrêtée à un moment donné, s'est transformé de quelle façon ? Au moment de la rencontre finalement d'Arnaud, avec Arnaud, ce qui était assez dingue. Donc il y avait toute cette préparation avant finalement dans l'invisible, tout ça qui faisait que de rencontre en rencontre. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, c'était vers 2015-2016, il y a eu cette rencontre avec lui. On ne mesure pas toujours d'emblée le pourquoi du comment. Mais on a senti qu'il y avait sans doute une retrouvaille, un truc, quelque chose, mais surtout pour moi c'était comme je retrouve aussi à travers lui tout un langage, toute une chose. C'est pas du tout pour dire que je venais retrouver mes amis chamans ou quoi que ce soit, parce que c'est pas de ça dont il est question, mais c'était tout d'un coup en fait c'était tout ça. On peut parler de chaman, on peut parler de ce qu'on veut, ce qu'on vient retrouver c'est le cœur. c'est juste passer de la tête au cœur et se l'autoriser un peu plus. Se dire, c'est comme si ça disait oui, tu peux l'ouvrir. Et tu peux l'ouvrir en jouant du piano. Et tu peux l'ouvrir en faisant quoi que ce soit, n'importe quelle chose que tu fasses. C'est juste de ça dont il est question.
Parce que moi, sur le coup, je me disais, mais de l'intuition, mais non, que dalle, j'en ai pas. De l'inspiration, peut-être, oui, je sais que je suis quelqu'un, je peux être inspirée au piano, tout ça. Mais ça me semblait dingue. Et puis, au fur et à mesure d'assister à des choses vraiment médiumniques, chamaniques, des transes, et puis en allant de plus en plus loin, à un moment donné, oui, il y a eu un sans-retour jusqu'à me retrouver dans les steppes de Mongolie avec des chamans mongols, jusqu'à me retrouver dans le désert marocain et jusqu'à me retrouver aussi à bah, finalement être initiée moi-même à ce qui n'était pas prévu, mais voilà, avec des plantes chamaniques. Et là, il y a vraiment eu. C'est comme des expériences de mort imminente où tout d'un coup, on le vit. Voilà. C'était pas seulement de l'entendre ou de le conceptualiser ou tout ça, c'était vraiment de le vivre et de revenir à cette grandeur d'être. Et c'est comme si ça me disait, OK, tout ce chemin pour me dire, je croyais qu'il fallait que je fasse tout ça pour trouver le beau, alors que le beau était en moi. Tu sais, je croyais qu'il fallait que j'aille tellement loin. Mais oui, non, Et mais ça, c'est le chemin classique de faire le tour du monde pour aller chercher en quête de quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Et on n'en parle pas assez, justement, souvent de ça. Et non seulement dans la quête du bonheur et de la joie, mais aussi dans la quête de la compréhension et dans la quête de sens. C'est-à-dire que j'en parlais l'autre jour lors d'une émission qu'on faisait, une rencontre Zoom, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette quête de sens. Il n'y a pas forcément que de la souffrance, il y a aussi des gens qui simplement s'interrogent depuis tout petit sur le sens de l'existence et sur l'idée d'un secret, d'une révélation, d'un grand mystère, quelque chose de tout à fait normal. Et en fait, tout est ici, à l'intérieur. Tout tant le mystère que le bonheur que le sens. Et c'est formidable, l'évidence et la simplicité des choses finalement. Et c'est bien que tu en parles aussi à nouveau, parce que voilà, ça se passe ici et maintenant et à l'intérieur, et c'est pas la peine d'aller passer 10 ans dans une grotte où on peut aussi, ça peut être le parcours des uns et des autres, quoi. Mais c'est intéressant que tu le soulignes. Mais je dis toujours, quand ça m'est venu tout d'un coup, c'est l'au-delà est en dedans. Et c'est aussi simple que ça. Alors évidemment que justement, l'artiste, il est comme l'ambassadeur de ça, pour venir, j'allais dire, pour venir se rappeler, oui, l'au-delà est en dedans. Et encore une fois, comme tu le dis, parfois on a besoin d'aller au bout du monde pour se trouver soi-même. Parfois, voilà, on va trouver le monde entier en soi. Mais l'au-delà est en dedans et je l'ai vraiment, vraiment capté. C'est la phrase qui m'est surgie quand je me suis justement, bah, dans la chronologie, après tout ça, est venue mon initiation à l'hypnose parce que je me suis dit, mais au fond, ce qui me manquait, c'est que je voulais tellement, tellement, tellement être consciente, mais de quelque chose, c'est-à-dire consciente, je voulais tout saisir, je voulais pouvoir tout comprendre. Mais typiquement, là, je te parle d'une partition. Et tu sais, c'est ça qui est génial, une super métaphore par rapport à ce qui peut être de l'ordre de ces découvertes, de ces révélations qui sont de l'ordre de l'indicible. On ne pourra jamais en parler, en fait. Ce n'est pas mentalement parlable. Et typiquement, par exemple, au piano, bah, il peut y avoir des passages très rapides, techniques. Et quand on cherche à les saisir, typiquement, quand on cherche à les analyser, à vouloir les jouer lentement pour essayer de les faire mieux ensuite, c'est une catastrophe. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, mon expérience, mon prisme. On peut, mais ça va devenir 1000 fois plus laborieux. Quand une chose est faite pour être fulgurante, il faut la laisser fulgurante. Par contre, ça va échapper au cerveau. Et le cerveau, il n'est pas content à ce moment-là. Donc, il va commencer à se créer des espèces de voix parasites. Oui, mais est-ce que vraiment tu maîtrises? Oui, est-ce que vraiment tu vas être capable de le refaire? Oui, mais en fait, c'était peut-être juste un coup de chance, etc. Parce que non, tu n'as pas saisi vraiment chaque note, etc. Et moi, souvent, je proposais ça, en tout cas, quand je faisais des masterclass et tout. J'appelais ça le travail vite lent. Ça sert à rien d'essayer de décomposer et d'analyser, de rationaliser. Faites-le très vite, mais par petites strates, éventuellement. Et du coup, pourquoi je disais ça, c'est que finalement, c'est tous ces moments-là où ça nous échappe. Du coup, c'est ça qui m'a fait dire, bon, ça va échapper à mon conscient. Il y a plein de trucs qui échappent à mon conscient, donc il faut que ça passe par autre chose. Et c'est là où je me suis dit, allons voir l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est génial, c'est l'entrée directe.
par quelque chose, moi qui ai tellement été dans le contrôle, dans le conscient, dans analyser, etc. Il faut que, voilà, je ne sais pas comment ça va être possible autrement, mais il y a un autre chemin. Et là, j'ai découvert un truc extraordinaire et où j'ai... Attends, mais j'essaie de comprendre cette histoire d'hypnose. On va y venir dans un instant. Mais quelle différence pour toi entre... En fait, ce que tu nous décris comme si le musicien était dans une sorte d'état d'hypnose et qu'en fait, la créativité serait... Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que le musicien est simplement une sorte de passerelle, de bras inspiré sans aucun cerveau, sans aucune pensée, qui soit simplement en connexion avec quelque chose de divin, j'ai envie de dire, de supérieur, de créatif qui descend et qui s'incarne à travers Hélène dans le cas de tes créations à toi, ou qui s'est incarné à travers Beethoven, mais quelque chose qui existait déjà, si tu veux. Bah, c'est très drôle parce que finalement, c'est la super métaphore de notre grand paradoxe d'être humain. J'aime tellement cette notion de paradoxe. Oui, sur un plan, il y a quelque chose, c'est pour ça que je parle de fulgurance, il y a quelque chose, on peut dire, ah bah, c'est pas moi qui fais, ça fait. Et puis de l'autre, il y a, bah ouais, mais quand même, j'ai appris. Et j'ai appris à jouer du piano. Il y a un truc qui, à un moment donné, passe aussi. C'est-à-dire, ouais, mais excuse-moi. Mais est-ce que justement la grandeur de ton talent, c'est pas justement d'oublier tout ce que tu as appris? Mais ça, c'est la quête, c'est la vraie quête de l'éveillé. On va tout oublier. Mais il se trouve qu'on est facile de l'apprendre. On commence par apprendre, par connaître. Après, ça prend encore plus de temps d'oublier. C'est-à-dire, ouais. quand tu es au piano, Hélène, quand tu es inspirée, ou dans ta musique, au piano, ou peu importe, et que ça crée, et que ça joue, il n'y a plus savoir ce que tu as appris pendant 25 ans, et le solfège, et tes idées, tes conceptions, etc. Ça crée. Oui, bah, y a ça, il y a les deux. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est pas parce que tout d'un coup on est dans le cœur, dans la transe, dans peu importe comment on le nomme, que ce serait pas bien de savoir aussi utiliser. En fait, on a trois énergies a priori de base. On a l'esprit, le cœur et le corps. Donc, ce serait dommage de se dire on va rejeter l'esprit, on va rejeter. C'est bien pour nous servir à quelque chose. C'est juste qu'on l'a souvent mal utilisé. Donc je crois pas que c'est exclusivement qu'une chose. Je dis ça vraiment là tout de suite par rapport à ce contexte, à ce dont tu parles, mais en tant que musicienne, quand ça se passe, il se trouve que ça se passe à travers Hélène aussi, il semblerait qu'il y a eu tout cet apprentissage qui a permis ça. Est-ce que si vraiment j'avais rien appris de aucune gamme, il se trouve que quand j'étais petite, j'ai eu cette sensation étant vraiment propulsée dedans, d'avoir des endroits où je ne comprenais pas, où je ne savais pas, où ça a commencé par être totalement instinctif. Il se trouve qu'après, étant très têtue et ayant envie de tout comprendre, je me suis énormément compliqué la tâche à vouloir tout comprendre. Maintenant, je comprends parce que je fais énormément ce va-et-vient. C'est-à-dire que ça me permet de mettre des mots sur des choses tellement subtiles. Parce que j'aime cette connexion, en fait, d'utiliser toutes ces phases de l'instrument. Donc maintenant, je comprends que c'est cool, mais c'est quoi et au service de quoi? Voilà ce que je peux dire. Okay. Alors attends, je t'ai coupé, excuse-moi, parce que j'ai aussi plein de questions qui arrivent en même temps. Et c'est pas moi. Vas-y, au moins je parle comme ça, je te laisse. Tu m'as demandé de parler, je parle. Non, mais c'est pas parce que en fait, je demandais à Hélène de parler un peu plus que moi, vu mes petits soucis de gorge. Mais en fait, comme elle commence à dire plein de choses, j'ai forcément envie de donner mon avis aussi et de rebondir sur ces choses passionnantes. Mais voilà, on, le temps est quand même compté, donc essayons de venir sur des sujets autres. Alors, en résumé, c'est quoi cette histoire d'hypnose du musicien? Ok, du coup, là on en était, c'était l'hypnose, parce que ça permet de passer par d'autres canaux.
Et c'est là justement où, en vivant ces espèces de transe, ou en vivant de laisser le moteur, de laisser un peu ce qui guide à un autre endroit que le mental, c'est à cet endroit-là où j'ai découvert, toutes les réponses sont là, c'est tellement flagrant dans une séance d'hypnose. Tous les gens qui viennent en séance d'hypnose vont découvrir leurs réponses, c'est un truc énorme, et c'est pas des petites réponses. C'est-à-dire que même eux sont les premiers surpris en pleine séance d'hypnose d'avoir leurs propres réponses, d'avoir leurs propres solutions, d'avoir tout ça, mais c'était pas qu'ils l'avaient pas, c'est qu'ils avaient oublié le chemin, la connexion à ça. C'est juste une question de connexion, en fait. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à l'accord d'un instrument. Et c'est là où j'ai découvert, ok, l'au-delà, c'est en dedans, en fait. Et donc, c'est là où j'ai simplement réalisé à quel point c'était génial, à quel point, moi, ça m'avait aussi aidé. Tout d'un coup, je voyais énormément de facilité, mais des choses tellement bêtes qui n'étaient pas aussi claires pour moi en tant que pianiste pour transformer certaines pressions, pour transformer le trac, pour optimiser plein de trucs, en fait, pour que ça passe par d'autres biais, justement, qu'une unique manière de faire. Et donc, c'est là où, avec une collègue québécoise, qui est aussi musicienne et aussi hypno, on s'est dit, mais c'est quand même dingue, les sportifs, ils ont tous des mentaux, ils ont tous accès à l'hypnose aussi depuis ces dernières années. Il y a beaucoup de grands tennisman, puis dans plein de domaines du sport où maintenant ils utilisent vraiment l'hypnose. Et donc, on s'est dit, proposons ça. Enfin, moi, ça me tenait vraiment à cœur de proposer d'accompagner les pianistes que j'aurais adoré avoir à 20 ans, à 25 ans, ou même avant. Et puis après, ça s'est élargi carrément aux artistes en général, et au final je me suis dit, mais c'était, et puis toute personne en qui ça résonne, donc que ce soit, généralement les thérapeutes sont des artistes, en fait, les coachs aussi ont cette vibration, au fond c'est vraiment cette vibration d'âme, cette envie de se relier au créateur en soi, etc. Voilà. Et donc c'est quelque chose que, parce que j'ai vu le site qui s'appelle on va le remettre là, mais qui s'appelle Hypnose du musicien. Hypnose du musicien, oui. Et donc, ça consiste en quoi, concrètement ? Eh bien, ça consiste à faire... Alors, en fait, c'était juste avant le confinement qu'on l'a créé. Et à ce moment-là, on a donné plusieurs ateliers ensemble aussi. Donc, on proposait des ateliers. Là, c'est simplement une plateforme déjà pour un peu démocratiser l'idée que l'artiste, le musicien, peut se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, plein d'options, que c'est pas... s'il se sent mal sur scène, s'il se sent mal, tout ça, c'est pas une fatalité, et c'est pas parce qu'il est mauvais. Et donc, déjà, il peut se faire accompagner. Donc, déjà, c'était enlever beaucoup de tabous. D'accord. Et puis ensuite, c'est proposer, c'est une plateforme pour proposer des séances, tout ça, proposer des ateliers, mettre tout ça en commun. J'ai vu une interview avec Kevin Finel qui fait. Qui a développé aussi une sorte de masque, j'ai vu, avec des vibrations et des sons. C'est assez nouveau ce qu'il propose récemment. J'ai vu ça après. J'ai vu passer une vidéo. Tu es au courant de ça ? J'étais au courant de la Dream Machine. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de masque que tu mets et tu reçois des sons, etc. Voilà, ça. Tu reçois des ondes de fréquence en termes de lumière, de luminosité. Il y a de la musique qui passe, mais c'est surtout la lumière qui passe, oui, c'est chouette. C'est une forme de plus comme l'expérience des plantes, mais en moins organique, en plus mécanique. Là où je me dis, mais la vie, c'est déjà tellement. C'est super, hein, c'est vraiment super. Mais la vie, c'est tellement déjà retrouver tout ça. Et puis après, ça reste des expériences. Mais par contre, ça peut être pas mal pour programmer, reprogrammer. Et ça peut être encore des expériences. Un peu sur certaines choses, oui. Voilà. Au début de la conversation, tu m'as dit l'importance du mot vibration. C'en est où, là ? Là, tout de suite, ici, maintenant ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'ici, maintenant ? Là, ça vibre à fond. C'est d'ailleurs très étonnant. Je me dis, tiens... C'est sûr que quand on est en joie, quand on est en joie de transmettre, c'est quand même un super indicateur. Je ne vois pas de meilleure question à se poser que ça vibre ou ça ne vibre pas. Alors évidemment, c'est mon vocabulaire à moi. Mais si ça ne vibre pas, le son, il ne peut pas...
le son ne peut pas sortir. Il n'y a pas de son. Donc, c'est aussi simple que ça. Même les cordes vocales. Dans l'instant présent, est-ce que vous êtes bien? Et sinon, pourquoi? Oui, je voudrais juste rebondir parce que ce qui est génial aussi, pour aller un peu plus loin que ça, j'ai une cliente récemment en séance, une méditienne, qui me disait, ah là là, elle était inconfortée. Souvent, c'est, ah, je suis trop sensible, il y a un truc, voilà, blablabla. Alors que moi, je montre à quel point ça se transforme de ce qu'on croit sensibilité, en fait, est un pouvoir, c'est un vrai pouvoir. Et elle me disait, ben, ça pulse à l'intérieur. Là, à cet endroit-là, elle me montrait un peu son cœur, en fait. Et elle me disait, ça pulse. Et en l'occurrence, parce que ça s'approchait de choses très, très intenses par rapport à son vécu et tout. Et qu'elle prenait pour de la peur. Et au final, quand vraiment on le traverse, quand vraiment on va, c'est Jung qui disait, la peur éclaire notre chemin. Si finalement on le traverse, qu'on croyait être une peur, on se rend compte que ça pulse et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est vivant, que si ça pulse plus, c'est qu'on est mort. Et une fois, je disais ça aussi à une musicienne qui était très traqueuse sur scène. Et je lui disais, mais maintenant, elle avait complètement switché sur ma proposition de « je tremble, ok, je tremble, mais ça ne veut rien dire. » C'est parce que je tremble que ça veut dire que je suis quelqu'un qui a peur ou que je suis quelqu'un qui n'est pas solide, que je suis blablabla. Ça tremble parce que ça tremble, point barre. C'est là aussi où ça amène finalement à cette espèce de d'équanimité, de juste j'observe ce qui est. Après, je peux y mettre l'interprétation que je veux. Ce serait encore un autre. Si on met des interprétations, ouais. elles sont sans fin. Après, à nous de choisir l'interprétation. Moi, j'aime bien. Maintenant, je me dis, je suis une interprète, mais une interprète créative. C'est Glenn Gould qui a eu ces mots-là dans les années 60. Ce génie absolu du piano, Glenn Gould, qui avait utilisé ces deux mots ensemble, ce qui était incompréhensible, interprète, créateur. Et ça, c'est précisément notre paradoxe en tant qu'être humain. On est interprète, créateur, les deux ensemble. Ça veut dire que peut y avoir une partition, mais l'interprétation, elle est infinie, elle est absolument infinie. Donc, on est créateur dans l'art d'interpréter. On dit que peut-être le créateur, finalement, il est en train d'interpréter ce qui est. J'avais parlé avec un compositeur comme ça, et je disais, mais il me disait que lui, il se sentait interprète de ce qu'il voyait du monde, interprète de, en écrivant sa partition. Et moi qui étais en train de l'interpréter, je disais, moi, je me sens créatrice parce que je sais que je la recrée à chaque instant. Et que du coup, on peut s'amuser avec ça. Peut-être que ça passe par un moment donné où on peut réaliser... Qu'il n'y a aucune interprétation nécessaire. Enfin, l'instant, on se dit, ça reste une interprétation, donc ça n'est pas la partition. Mais pour autant, la partition, tant qu'il n'y a pas d'interprétation, elle n'existe pas. Donc, c'est l'interprétation aussi qui fait exister dans cette dualité, qui nous fait entendre, qui nous fait ressentir et tout ça. Par contre, on peut imaginer tout ce qu'on veut comme interprétation. C'est intéressant parce que... Enfin, je change un petit peu de sujet, mais c'est lié aussi parce que j'avais eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec un de nos intervenants sur la créativité artistique qui n'était rendue possible que dans une sorte, selon lui, d'un alignement et d'une ouverture complète à ce qui est, tout simplement, et rien d'autre. Et en même temps, je jouais un petit peu la contradiction et j'essayais de penser à tous ces artistes qu'on connaît, hein, contemporains ou plus anciens, qui ont besoin d'une immense souffrance pour pouvoir composer, pour pouvoir créer, pour pouvoir sortir des chefs-d'œuvre parfois, que ce soit dans la musique, dans la chanson, dans la poésie, dans la littérature. Et c'est souvent des âmes comme ça en souffrance, des âmes écorchées qui ont sorti des chefs-d'œuvre. Et puis, alors voilà, on avait ce débat et on se disait, finalement, tu peux être dans la joie et être tout aussi créatif. C'est beau que tu dis ça. C'est exactement, quand je me fais la réflexion sur mon cheminement, c'est cette conviction profonde et c'était cette volonté, si je puis dire, cette intention de vivre une vie d'artiste sans plus passer par la case souffrance et en disant, oui, on peut être immensément inspiré et les chamans en sont une telle inspiration parce qu'ils sont là et ils incorporent pour certains ou ils sont dans un état qui peut être particulier. Et puis, pour autant, il y a zéro souffrance.
C'est pas, y a pas de l'ordre de la souffrance. La souffrance n'est pas un état normal. C'est comme disait ce cher Pierre Le Réguimet, c'est une amie, un ami qui vous prend par la main pour vous ramener chez vous. Et je trouve ça tellement beau de se dire, c'est ni bien ni mal, c'est juste que ça nous rappelle qu'on n'est pas chez soi et qu'il est temps de rentrer chez soi. Après, peut-être que dans cette nostalgie de l'ailleurs, typique particulièrement de l'artiste, bah, il a envie de se faire particulièrement vivre le pas chez soi pour mettre en relief le chez soi. Oui, c'est paradoxal. Ouais. Oui, c'est paradoxal. Moi, tu vois, quand tu penses par exemple à Baudelaire, l'exemple le plus, tu vois, qui était dans une souffrance totale jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Il est mort même très jeune. Et qui en même temps a touché à justement à ce soi, à ce soi, à ce chez soi, à cette maison, à cette nature ultime, mais en passant par un état d'écorchement, j'ai envie de dire total, quoi. Après, c'est exactement, mais c'est profond parce que, en fait, c'est ni bien ni mal. C'est qu'à un moment donné, Non, 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 c'est pas un jugement, c'est juste que. non, mais c'est à combien on met de conscience sur ça? Parce que j'avais vraiment, réellement, j'avais cette discussion il n'y a pas plus loin qu'il y a deux, 3 jours avec un collègue hypno, pour le coup, ancien danseur étoile. Alors, il en connaît aussi quelque chose et on parlait de ça. Et parce que je disais, mais c'est hors de question que enfin voilà, écorché vif, ça n'a plus aucun sens pour moi. Et pour autant, je me sens vraiment comme cette feuille au gré du vent qui est très, 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 très réceptive, on va dire. Et ce qui est propre à plein de thérapeutes, de médiums, de voilà. Et en fait, il me disait, mais après, si c'est bien, si c'est chouette à vivre, en fait, si c'est. C'est pas, du coup, c'est plus forcément de la souffrance, peut-être. En tout cas, c'est peut-être quand c'est vraiment inconscient que ça peut être vraiment souffrant. En fait, c'est dès l'instant où c'est conscient. Oui, c'est pas obligatoire, quoi. C'est ça qu'on veut souligner là ce soir, c'est que voilà. On peut être dans cet espace d'ouverture libéré d'une dualité, d'une séparation avec l'existence, libéré de ça et être créatif aussi. C'est ça qui est. La vérité vraie, c'est que on pourra jamais jouer réellement en étant à ce point-là souffrant, parce que parfois on entend une musique qui nous semble tiraillée, qui nous semble désespérée, qui nous semble. Mais au moment où on la joue, il y a cette distance. C'est obligé. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas traversé par ça, mais c'est obligé qu'il y a pour la rendre en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait que le musicien, sans le savoir, souvent de manière très ignorante, exactement dans la posture d'un éveillé, c'est que de toute façon, il y a cette distance, il l'observe et en même temps, il peut en être traversé, tout ça, mais il pourrait pas être complètement souffrant, sinon il serait incapable de jouer quoi que ce soit, il serait juste torturé. Donc, ouais. Alors, Hélène, le temps passe vite et j'aimerais pour les quelques minutes qui nous restent, te lancer sur deux, trois mots que j'ai annotés là comme ça pendant qu'on discutait et qui sont des mots sur lesquels tu es revenu récemment sur les réseaux à droite, à gauche et ça m'avait touché. Bon, créativité, on en a parlé un petit peu, mais je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. D'être créatif, la créativité, tu en as parlé. Intention. Ah oui, mais c'est un vaste mot, ça. Ah oui, tu as 2 minutes. Est-ce que tu as 3 heures et demie? Non, t'as 3 minutes. Non, mais je vais te la faire très rapide. Encore une fois, c'est que c'est plus simple de prendre le prisme de la musique parce qu'il y a tout dedans. L'intention, c'est que sans intention, aucune note, ça sonnera juste. Comment dire? Ça sonnera pas ou ça sonnera. En fait, ça n'aura aucun intérêt. Je peux pas dire que ça sonnera faux ou juste et que ça sera au petit bonheur la chance. C'est pas une question que ce soit au petit bonheur la chance. C'est juste que ça n'aura pas d'intérêt. Est-ce que tu peux comparer ça un petit peu au mouvement d'un danseur où le chorégraphe exige une Oui, intention, c'est même une plus que. intention dans chaque mouvement? Oui, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'intention, en fait, ce qui veut dire, c'est que. À partir de l'intention, tout peut être fait. Mais l'intention, c'est quoi? C'est juste être conscient, encore une fois. C'est juste être conscient, conscient, conscient. Mais pas conscient du décor.
Les décors, c'est déjà trop tard. Donc, le geste du danseur, la note du pianiste, c'est déjà bien après. C'est le décor, c'est un prétexte. Ce qui vient avant, en fait, moi, ce qui me... Tu parlais de vibration, de l'âme, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours ce qui vient avant, ce qui vient avant, ce qui vient avant, qui m'a toujours tellement fascinée ou en tout cas attirée. Et puis, pour la faire simple, quand j'ai compris de plus en plus, je me disais, mais au fond, il faudrait vraiment comprendre ce qui a poussé, ce qui a rendu nécessaire le compositeur d'écrire ça. Et c'est d'une telle précision quand il écrit vraiment ça, que finalement, c'est se poser la question, soit je peux très très bien le jouer, vraiment correct et tout, c'est comme je vivrais vraiment sur cette dimension, et vraiment je croirais tellement à notre forme, je croirais tellement à ça, je pourrais le faire très bien, avoir une vie très bien comme ça, à croire vraiment à notre forme. Soit je réalise qu'il y a vraiment quelque chose qui précède ça. Et quand on se connecte à ce qui se précède, c'est juste que c'est tellement infini, tellement extraordinaire, et que du coup, tout découle sans avoir à penser. C'est qu'à ce moment-là, le pianiste, ça joue sans avoir... c'est beaucoup plus simple finalement, beaucoup plus fluide, beaucoup plus... dit d'une autre manière, c'était Louis Jouvet, le grand comédien du siècle précédent. Et metteur en scène et professeur au Conservatoire de Paris, qui disait à ses élèves, il y avait lui, pardon, c'était lui, et puis c'était aussi Stanislavski dans Actor Studio, qui disait en fait, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui va pousser le personnage à dire ça. Parce qu'en fait, on est un peu des personnages, qu'est-ce qui pousse à dire ça? Donc si on revient à chaque fois en amont, il n'y a pas de meilleur training que justement en tant qu'acteur et se dire, soit je peux travailler pour dire très correctement la ligne, soit je suis tellement été en amont que du coup ça va se dire naturellement. Donc on peut avoir, c'est là où je dis, c'est là où on peut, par exemple, même des fois dans le développement personnel. Mais si tu veux, dans le cas des acteurs, c'est un peu se remettre dans l'état originel du personnage avant que les mots sortent. Mais du coup, les mots seront forcément justes. Et c'est là où on dit, par exemple, Les mots sont forcément les mêmes. tout ce qui a pu être dit ce soir, par exemple. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Moi, ma conviction profonde, c'est d'où ça vient. Parce qu'au fond, au bout d'un moment, oui, il y a tout un champ d'informations, d'échanges, d'idées, tout ça, et c'est cool. Mais au final, il y a vraiment, finalement, tout ça, c'est un prétexte. C'est juste un décor, un prétexte pour se faire sentir un partage de vibrations, encore une fois. Non seulement ça, mais en plus, il n'y a aucune localisation possible Exactement. des mots qui ont été dits, des idées qui ont été pensées, qui ont été partagées. Elles sont inlocalisables. Donc, Exactement. elles ont juste apparu dans un champ comme ça, qu'on a partagé, qu'on croit avoir partagé. Exactement. Alors, silence. Silence. Ben c'est beau le silence. Et j'en ai fait tout un chapitre dans un livre en train de se publier. Bah, ce serait un peu compliqué de C'est un peu bateau, c'est un peu, excuse-moi, la question est un peu bateau, et surtout pour une artiste, une musicienne, forcément, le silence, c'est une importance. Ben, c'est ce que tu décrivais juste avant aussi, c'est un peu l'origine de ce qui se passe en amont. dis toujours que les... Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je dis toujours que la musique, c'est un hommage au silence, justement, et qu'encore une fois, tout ça est encore un prétexte pour se faire encore plus, pour faire émerger. Donc, il semblerait qu'on bouge aussi, et pareil, que voilà, Hélène Tisman, elle a été faire tous ces trucs-là pour. On parlait de se faire vivre presque même cette souffrance ou cette nostalgie ou tout ça. C'est toujours pour mettre en relief. Parce que c'est comme en hypnose. En hypnose, on ne peut pas y aller frontalement. Il semblerait qu'on ne puisse pas, si je dis vas-y, tombe en hypnose ou rentre en hypnose, ou, enfin voilà, rentre en hypnose, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne pourra pas. Ça ne peut que de manière détournée, si je puis dire, ou parce que ça passe par autre chose ou par ailleurs. Et peut-être que pour se faire réellement éprouver, pour... C'est plus que ça pour réaliser le silence, et c'est pas rien le silence. Ça nous aide d'aller dans des formes, des objets, des choses. Bon, c'est un peu bateau, hein? Parce que c'est Non, pas. mais tu sais, il y a un exercice qu'on pratique souvent dans les ateliers qu'on fait avec Olam. On lit un texte
C'est un exercice qu'on fait avec notre ami Didier Weiss, où on lit un texte. C'est lui qui lit un texte. Souvent, c'est le Petit Prince. Et on se concentre sur le silence entre les mots, qui est un petit peu la ligne continue de ce que nous sommes, notre vraie nature. Et puis, dessus, il y a une ligne en pointillé, c'est les mots ou les notes qui viennent prendre forme et qui sont aussi faits de cette matière, mais qui n'obstruent pas, ou si tu veux, qui apparaissent dans un autre champ. Et sous-jacent, il y a ce silence permanent qui est ce que nous sommes. Et c'est ça qui est magnifique, parce que ce n'est pas seulement de l'entendre entre, peut-être de l'entendre partout, en tout. Mais je ne sais plus si c'était une fois Pierre-Louis Guimet ou qui avait fait cette invitation-là d'une méditation à être dans l'entre, justement. Tiens, qu'est-ce qu'il y a entre ? Donc, entre deux respirations, peut-être même entre deux silences. Puis quand on va au plus infini possible, ça devient vraiment, pour le coup... C'est pas hypnotique, mais enfin, bref, puissant. Et puis, l'entre chaque chose, bah, ça m'avait fait écho à ce que disait Mozart lui-même, qui disait, c'est pas les notes qui comptent, c'est ce qu'il y a entre les notes. Et entre les notes, peut y avoir la résonance, mais il peut aussi y avoir ce silence. Mmh. Maintenant, c'est peut-être que, voilà, pour le mental, mais c'est plus simple déjà de réaliser ce entre. Mais comme tu le disais, en réalité, c'est là tout le temps, partout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu le vivre de temps en temps, des moments où quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est tout le temps agréable, tout le temps, enfin, c'est plus qu'agréable, c'est tout le temps paisible. Pas tout le temps, je ne le vis pas, j'en suis pas là du tout. Mais il y a eu des moments où c'est assez dingue. Mais c'est bon parfois, même s'il est là partout et même s'il habille chaque chose et chaque matière et chaque chose tout simplement, c'est bon parfois de faire l'effort de se reconcentrer sur le « entre » qui, je dirais, est réconfortant, de se savoir soutenu par ce silence et je rajouterais ce silence aimant. Oui, le silence, ça n'est pas l'absence de bruit extérieur. Parce qu'en fait, on pourrait croire que tous ces gens qui cherchent absolument le silence, je suis dérangée par quelque chose à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, c'est tellement bruyant. Oui, oui, oui. On va chercher le silence. Et en revanche, évidemment, enfin, on le sait tous, voilà, il peut se passer plein de trucs dehors et être en silence à l'intérieur, mais c'est tellement rare, c'est tellement, enfin, voilà, à moins d'être vraiment tellement, tellement, tellement éveillé. Et c'est là où on se rend compte, mais que quand même, quand on atteint un petit peu de ce silence-là, la préciosité, le silence, mais c'est la grâce, peut-être la grâce de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? C'est là où on se rend compte, ah, cette chose-là tellement à portée de main, tout est dedans, donc ça serait dedans. C'est beau, ce serait tout un hommage à faire, tout un exposition. Et le musicien est le premier à écouter le silence, c'est-à-dire que tu ne peux pas, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour faire de la musique, mais c'est comme si tu demandais à un peintre de peindre sur une toile où il y a déjà plein de choses dessus, c'est impossible, sa toile, il faut qu'elle soit blanche. Alors oui, c'est sûr qu'il y a vraiment des moments, moi j'ai passé des jours et des nuits entières, réellement, des heures et des heures et des heures et des heures à écouter et à refaire la résonance d'une note. Donc forcément, à écouter cette résonance, c'était être totalement imbibé, en fait, dans cette forme aussi de silence, juste focalisé sur tout ce que contient une résonance. Et tout ce que contient une résonance, bah, ça t'amène à te relier aussi au silence, qui est absolument magique. Ouais. Ton regard sur l'éveil spirituel, ce qu'on décrit comme l'éveil spirituel aujourd'hui, c'est un sujet qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu partages. L'éveil, vaste sujet. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est que en soi, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre. On avait appelé l'émission de Chopin à l'éveil. Oui. En toute humilité. Voilà. Donc, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Voilà, souvent on utilise le mot les éveillés parce que ça va plus vite de dire, mais ça veut dire quoi exactement? Enfin, qui ne l'est pas?
qui n'est pas éveillé, qui, à partir de où on considère qu'on est éveillé. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aurait des formes plus ou moins abouties. Enfin, voilà, après, je suis vraiment pas, je me considère, ou alors pas du tout spécialiste pour en parler. Moi, je crois juste que je sens une ouverture de plus en plus grande. Après, peut-être que je ne parle que de moi, mais bon, après, c'est pas un scoop de réaliser qu'il y a cette ouverture. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un rêve assez extraordinaire dans lequel j'avais vraiment la révélation que le miracle, le vrai miracle à se faire vivre, c'était de marcher dans ce monde en conscience. C'est-à-dire vraiment, mais la conscience, c'est quoi en fait? C'est voir, c'est comme si on marche sur une scène de théâtre et c'est agréable de voir les décors, mais on voit, et on peut voir le décor, on peut voir derrière le décor, on peut voir dedans le décor, on peut y être dedans ou à l'extérieur, mais on a, du coup, tout est possible. C'est là où on peut dire, tout est possible. Donc c'est ça le miracle, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. C'est super. De Chopin à l'éveil, et Chopin, c'est quelque chose qui t'est... Chopin était-il un éveillé? Ça, c'est la vraie question. Chopin était-il éveillé? Chopin était-il un éveillé? Mais à la limite, entre toi et moi, on s'en fout un peu. Vu la qualité de ce qu'il a fait, éveillé, pas éveillé, c'était tellement magique. Ouais. Oui, c'est pour ça que je dis... Tu t'écoutes jouer Chopin, tu te regardes sur les concerts, tu continues à pratiquer. À me regarder. Est-ce que tu regardes tes vidéos de toi en train de jouer Chopin? Non, pas trop quand même. C'est vrai. C'est pas le genre de truc. Mais c'est ça qui est magnifique avec la musique, c'est qu'il y a cette impermanence-là de base. On joue et puis c'est déjà fini. À peine on a joué, c'est déjà fini. J'avais trouvé des super extraits de toi. Qui date de c'était où, de 2010. C'était un concert de Chopin, c'était magnifique. C'est quelque chose qui d'un autre temps pour toi, ou ça fait pas encore partie de... Non, pas du tout. Ça dépend. C'est par des périodes. C'est sûr que là, vraiment, dernièrement, je suis beaucoup à fond à accompagner plutôt les gens, à être plus dans ce côté, j'allais dire, de soin. Là, parce qu'en fait, c'est toute cette reconnexion. Avant, pour moi, l'art était une beauté qu'on venait contempler à l'extérieur, qui était vraiment juste une beauté à l'extérieur de soi. Puis j'ai réalisé que ça avait une faculté de soin en réalité, et que c'était pas un truc extérieur. Et peut-être que j'avais besoin aussi de ce passage où là, en ce moment, j'accompagne beaucoup de gens et je vis la magie en dehors, comme pour me dire. Peu importe en fait, l'instrument, tu peux partir ailleurs, partout, faire n'importe quoi, n'importe quelle chose que tu veux. Il y aura ça. Tu as accès à ça. Donc en ce moment, je suis beaucoup dans ça. Maintenant, j'ai encore des concerts prévus, tout ça, mais c'est vrai que c'est plus du tout la même pianiste qu'avant. Mais j'ai l'impression que tu me fais une invitation à, à jouer. Non. Non, je me permettrai pas de te demander de te lever et de jouer un morceau de Chopin. C'est déjà une suggestion en soi, très indirecte. Comment ? C'est déjà une suggestion en soi, très indirecte. Oui, non, mais c'était vraiment pas mon intention. Mais j'y mettrai des liens dans les commentaires des clips. Là, j'en avais trouvé un, voilà, c'est un truc de 2010 que j'avais trouvé. C'était un prélude Chopin Institute, voilà, Hélène Tiesman. C'était j'avais trouvé ça magnifique, voilà. Attends, je vais voir si on peut mettre un tout petit bout du clip que j'ai trouvé. T'as 2 secondes encore? Moi, je suis là pour. Bon, je suis désolé, je coupe comme ça en plein milieu, mais qu'est-ce que c'est beau, Hélène, merci. Ouais, c'est Chopin qui est tellement beau. C'est Chopin et toi. En l'occurrence, c'est ça, c'est tiré du concours Chopin, justement, en 2010, et pour lequel j'ai été mis dans un sacré état de transe, et ces fameux états de grâce. Ah oui, non, mais c'était comme on dit, t'es dans la zone. Voilà la zone. T'es dans la zone, Hélène. Quand t'es au piano. En tout cas, c'est magique, et c'est vrai que, enfin, moi j'aime bien, et
Et l'autre jour, j'ai fait un petit clip promotion, là, j'ai fait une petite story et. Un petit clip promotion. L'éveil. L'éveil, Chopin, etc. Et je suis retombé sur, sur du Gurdjieff. Oui. Sur des morceaux de Gurdjieff joués par Alain Kremski. Ok. Et j'adore. Et je me disais que ça t'allait super bien. Voilà. Ok. On en reparlera. Hélène, avant de te remercier et de t'inviter à une prochaine émission, parce qu'on a fait qu'aborder quelques thèmes rapidement, je voudrais rendre un petit hommage rapide là à notre ami Christian Bobin qui est décédé aujourd'hui. Oh, et, oui. Et donc, bon voilà, nous sommes beaucoup à avoir apprécié ses cris, ses partages. Et je voulais juste vous citer une petite phrase qu'il avait écrite sur la mort, où il dit « La mort n'est pas un abandon de souveraineté, mais une métamorphose, un sacre pour chacun, fût-il le plus pauvre ou le plus mal famé, dans une amitié profonde, dans un lien qui n'est plus d'avidité ni d'emprise, mais de respiration commune, enjouée et élargie, donner une vie pleine à l'amour. » Voilà, hommage à Christian Bobin. Ouais. C'est drôle parce que quand tu dis, je sais pas si tu as dit l'amour ou la mort à la fin. L'amour, je crois que c'est l'amour. C'est l'amour. C'est fou, hein, comme c'est tellement proche. Et oui. Et voilà, c'est un mot que je ne t'ai pas invité à commenter. C'était l'amour. C'était dans ma liste, mais je me suis retenu. On le fera pour la prochaine fois. Hélène, un grand merci. Merci pour cet hommage. Merci infiniment à toi et pour cet espace que tu offres, que tu permets, de ces partages de vibrations, justement. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est indirectement en contact et qu'on avait envie de se retrouver pour partager ça. Et puis, il y aura peut-être une suite. Voilà. Avec grande joie. Merci de ton partage. Ah, juste, Hélène, tu as une minute pour nous donner ton actualité. Là, ça sonne très terre à terre. Mais non, il faut aussi. Alors, dans la suite de ce que vous venez d'entendre il y a quelques minutes, eh bien, vous pouvez le retrouver dans un film actuellement à l'affiche qui s'appelle It Again, un film réalisé par Arnaud Rioux, donc, et Maud Bénière, qui est le résultat de 4 ou 5 ans, il faut bien le dire, de réalisation, et qui dresse ce parcours à la fois de chaman, de médecin, de scientifique et d'artiste, et de philosophe. Il y a Frédéric Lenoir, il y a Thierry Janssen, Et ça va justement peut-être tenter d'explorer ce fameux invisible et faire le lien entre l'invisible et le visible. Et voilà. Donc, film, voilà. Je ne suis pas objective, mais extraordinairement. Pas très objective. Voilà. Après, concert en décembre avec ce cher Francis Huster le 11 décembre et le 16 décembre notamment. Et puis, des ateliers, des stages que je propose, des coachings. Vous pouvez aller voir. Après, c'est facile sur Instagram. Sur Instagram, sur Facebook. Voilà, les actualités d'ateliers et stages. Ok, super. Merci, Hélène. J'ai mis les... Ça n'est pas réservé que aux musiciens ni que aux artistes. Hein, mais... Non, on a compris. Tu touchais à plein de domaines. Et j'ai mis les liens sur les commentaires. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir regardé. Merci Hélène, on se reparle bientôt. Tu peux rester un petit 2 secondes après le générique si tu n'es pas prêt. Merci à vous tous et merci à toi. Bisous, merci.